Et bonsoir tout le monde, salut les sorciers, on se retrouve pour un nouveau live pour parler cette fois-ci Quidditch. Et on est très bien entouré puisque j'ai avec moi trois membres de la Fédération de Quidditch français. On a notamment Tess, présidente quand même de la Fédération française de Quidditch. On a également Hugo qui est avec nous, qui est la direction sportive. Et Sacha qui est responsable de la communication. Bonjour tous les trois. Bonjour. 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 Du coup, vous nous revenez d'un week-end, vous avez tous les trois joué, potentiellement arbitré aussi, et été très actifs pendant tout un week-end à Limerick, en Irlande, pour l'European Quidditch Cup 2022. Bah déjà, comment ça s'est passé ce week-end pour vous? Comment ça? Voilà. Petit cadavre, tout à fait. Mais globalement, vous êtes heureux d'avoir fait le déplacement, vous êtes content. Ouais. Ouais. Oui, Ah, bah, pour vous, en fait, c'était cool. on l'attendait avec impatience, cette compétition, après aussi longtemps par rapport à la dernière qui avait eu lieu avant le Covid. Pour l'équipe, c'était un peu le challenge. Le premier objectif, c'était d'arriver en top 16. On n'a pas réussi à atteindre le premier objectif, mais on a quand même, sportivement, on est quand même assez content parce qu'on a un peu progressé dans le classement par rapport à la dernière fois. Donc, c'était globalement un bon week-end. Je pense que tout le monde dans notre équipe, bon, parce qu'on joue tous les trois pour les Olympiens, au cas où c'était pas clair avec les maillots, dans notre équipe, tout le monde a pris du plaisir sur le terrain, tout le monde a joué, tout le monde a apprécié la bonne ambiance à chaque match. Donc, voilà, c'était plutôt une réussite de ce point de vue-là. Mais tant mieux. Du coup, donc vous êtes tous les trois membres de la FQF, vous êtes tous les trois olympiens comme vous venez de le dire. Et ça fait combien de temps que vous jouez au Quidditch chacun? Alors moi ça fait depuis 2016, donc ça fait 6 ans. 7 ans, 6 ans, 6 ans, oui c'est Ouais, ça. ok. Il y a eu un an de Covid, j'ai toujours, enfin un an et demi. Ça fait aussi depuis 2016 en fait. Je me demandais entre Sacha et moi qui avait commencé avant. Ça fait depuis 2016 où j'ai commencé aux États-Unis pendant un échange et après j'ai continué en France. Moi j'ai commencé fin 2017 en Irlande, donc ça va bientôt faire 5 ans, après entrecoupé comme tout le monde de Covid et de blessures. Bien sûr, ouais. Ok, donc ça fait quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours attaché à ce sport? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous? Pour moi, le côté complexe du jeu qu'on trouve pas dans les autres sports co, les dynamiques de jeu avec les batteurs et les poursuiveurs de type de poste, plusieurs types de balles, plusieurs éléments qui vont se rapporter à plusieurs sports qui font quelque chose de plus compliqué à comprendre peut-être stratégiquement que les autres sports et du coup de plus intéressant, et la mixité. Ouais, je mettrais aussi la mixité dans les raisons, enfin dans ce qui m'a attiré dans le sport. J'avais jamais fait de sport collectif avant de tester le Quidditch en fait. Et bah, ça m'a très vite plu, même si au début je comprenais pas tout, vu que c'était un peu difficile quand on n'a jamais fait ouais, du rugby, du hand, du basket avant en club. Donc la mixité et puis. Bah, à la base aussi un peu la mentalité des gens bah, tout de suite assez bienveillant, assez ouvert. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez répandu dans la communauté Quidditch globalement. Ouais, un peu comme tout ce qui a été dit, la complexité du jeu, l'inclusivité, le fait de pouvoir jouer selon mon propre genre. Et la communauté est juste trop cool. Ok, ce Voilà. sont toutes des bonnes raisons. Je suis pleinement d'accord avec tout ça. Oui. Parfait, bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parler un peu de cette EQC qui a donc eu lieu ce week-end. Donc, c'était bah, la première fois qu'il avait lieu depuis 2 ans, depuis le Covid. Donc, il y a eu beaucoup de choses évidemment qui ont évolué. Et peut-être la principale, c'est le rulebook. Donc, les règles qui ont changé entre les 2 dernières éditions. Du coup, Hugo, t'as bossé toi sur le nouveau rulebook. Donc c'est peut-être avec toi que c'est le plus intéressant d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau, déjà, Brooms Up, le nouveau système de démarrage des matchs
qui est donc plutôt que de commencer en frontal, maintenant on commence sur le bord du terrain, un peu différemment. Ah, je mentionnais ici que en effet, j'ai bossé pour celui-là, mais je ne bosserai pas aux futurs changements qui ont déjà été annoncés. Je me concentre plus sur la Fédération française maintenant, donc je ne parlerai pas de futures évolutions. Sur le Bronze Up, qui était ouais, une des deux grosses évolutions qu'on avait fait en 2020, c'est pour remettre en contexte, l'évolution venait en tout cas, d'un risque plus ou moins avéré de choc frontal sur l'ancien Brooms Up. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait et c'était facilement évitable. C'est venu entre d'autres propositions de tirage au sort d'une équipe qui prendrait deux cognards et une équipe qui prendrait un cognard Elsewhere. Celle-là, elle avait été choisie pour garder quand même un système qui fonctionne quand même sur un petit défi sportif comme il y aurait un entre-deux au basket. Et ensuite, sur ce que ça donne en pratique, je trouve pas que ça change énormément. Il n'y a pas beaucoup plus de buts ou beaucoup moins de buts directement sur le Bronze Up. On garde la notion d'une balle contestée, du soif contesté et d'un des cognards contestés. Sur ce que ça a donné à IQC, j'ai vu à IQC beaucoup plus de faux départs que je n'ai vu dans les compétitions françaises cette année qu'on avait repris. Donc peut-être la tension était plus forte, les équipes étaient plus impatientes de jouer ou je ne sais pas. Mais il y a eu pas mal de faux départs, j'ai trouvé. Alors je ne sais pas si c'est lié au nouveau Bronze Up, je ne pense pas. Je pense que c'est juste lié au tournoi et ça faisait longtemps pour certains qui n'avaient pas eu d'IQC. Et la pression, ouais. Du coup, pour ceux qui regardent ce live stream, vous voyez dans le quart en bas à gauche le live stream officiel de l'IQC, donc qui était assuré par Roar Phoenix TV. Donc c'est le match Anvers versus Titan en quart de finale que je vous ai mis là en bas pour le diffuser. Donc vous avez vu le Brooms Up en direct pendant qu'on en parlait. Voilà. Et donc l'autre gros changement du Brooms Up, c'est l'overtime après l'attrapage du vif d'or. Donc avant, attraper le vif d'or mettait fin au match quoi qu'il arrive. Maintenant, dans des cas très précis où c'est l'équipe qui est menée au score qui attrape le vif d'or et qui n'arrive quand même pas à dépasser l'autre équipe, le match est prolongé avec un système de 30 points de plus à atteindre. Est-ce que, enfin voilà, de nouveau, c'est un gros changement dans le fonctionnement du sport. Qu'est-ce que ça apporte réellement au Quidditch? Est-ce que les matchs n'ont pas été simplement artificiellement un peu rallongés ou au contraire raccourcis? Alors le but en tout cas c'était de raccourcir certains matchs où des équipes trop loin derrière pour gagner refusaient quand même d'attraper pour se faire perdre, ce qui peut se comprendre tout à fait, en leur donnant une chance de gagner même si elles attrapaient le vif d'or. Ça, en tout cas d'expérience, de vécu de cette année dans les différents tournois français et l'IQC, en effet, les vifs d'or ont duré beaucoup moins longtemps parce que dans tous les cas. Dans tous les matchs, les deux attrapeurs ont essayé d'attraper le vif d'or. Il y a eu et sur ce que ça donne après, c'était un peu une crainte à ce moment-là que, en effet, il y a plus ce moment pas d'excitation, mais du vif d'or qui met fin au match. J'ai trouvé que ça a donné aussi des très très belles fins de match. Si je dis les Paris Frog par exemple ont. Alors, si je dis pas d'erreur, deux fois jouer des matchs pendant cette IQC où c'est arrivé au but vainqueur, donc l'équipe qui marque et gagne après la prolongation. En tout cas, au moins une fois, mais la deuxième fois, ça s'est joué à un ou deux buts pareillement en huitième de finale. Donc, ça donne aussi des fins de match très 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 excitantes avec beaucoup d'enjeux et qui sont belles à regarder. Leur match contre Augsbourg, il est pareil streamé par Roar Phoenix, donc ça. Si les gens veulent voir un peu ce que ça donne comme ambiance de fin de match, un moment où chaque équipe est obligée de réussir sa défense si elle veut pas perdre, j'ai trouvé ça intéressant à voir. J'ai trouvé que ça rajoutait pas mal d'intensité au final au moment du vif, parce qu'en effet, les attrapeurs essayent d'attraper et vont plus défendre comme avant. Et du coup, après, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre à la fin de finir par un but. Il y a un peu moins le moment un peu plus exceptionnel avec le catch et tout. Sauf quand voilà, les équipes qui sont en tête attrapent. Mais ça, j'ai l'impression que ça donne encore plus de niaque aux équipes sur la défense aussi. Enfin, je sais que ça a été notre
cas aussi pour les Olympiens par moment, mais en tout cas, ça, c'était intéressant. Après, les équipes avaient peut-être déjà la niaque de base de reprendre après 3 ans un EQC, donc ça, je sais pas. Si je peux rajouter, ça a même aussi, je trouve, en fait, développé l'envie d'attraper des équipes qui étaient en tête assez facilement. Et on a eu un match dans cette EQC où on était 60 points devant, ce qui, selon les anciennes règles, 60 points devant, tranquille, hein, s'ils veulent attraper, ils y vont, ça nous donne la victoire. Et là, en fait, je voyais un intérêt, s'ils attrapent, ils reviennent à 30 points, c'est chiant, faut assurer la fin de match. Donc j'ai vu aussi cet intérêt que ça incitait aussi l'équipe qui était devant à jouer l'attrapage du vif d'or à fond. Et donc, en effet, ouais, ça a duré moins longtemps le jeu du vif d'or. Les matchs, je pense, ont duré légèrement moins longtemps. Ça, j'en suis moins sûr. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient duré plus longtemps. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En tout cas, pour un premier tournoi où ce système tel quel était mis en place pour un premier gros tournoi, après, évidemment, la deuxième division qui avait eu lieu quelques mois avant. Ben, clairement, moi j'ai été aussi assez convaincu du système de ce que j'ai pu voir. Il y a Tiffen qui dit dans les commentaires que ça aide aussi dans l'organisation d'avoir des matchs qui ne risquent pas de dépasser l'heure. Et c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir pour cette EQC, puisque quand même on a eu des plannings vachement mieux respectés que d'habitude dans le monde de Quidditch. Et avoir 25 minutes de retard max le dimanche en tout cas. Après le samedi, il y a eu un peu. Samedi, il y a eu beaucoup de retard sur les matchs Ouais. de fin de journée, mais C'est pas lié à la longueur des matchs, ça a commencé en retard pour une erreur ouais, il n'y avait d'ambulance. pas les médics au début. C'est Non. ça. Ouais, le samedi, ça a pris du retard, mais le dimanche, ça a été quand même Dimanche. assez respecté au niveau du timing, ce qui était quand même assez extraordinaire pour une grosse compétition de Quidditch comme celle-là. Il pleuvait, les équipes avaient envie d'en finir vite, les victoires aussi. Hein. Ouais, la météo n'était Le clairement pas dimanche. avec vous pour toute cette deuxième Des journée soirées en général. un tournoi en Irlande sans pluie en même temps. Ouais, c'est Ouais. sûr. Et du coup, et donc ouais, l'Overtime et le Brooms Up qui sont deux changements majeurs mais qui ont globalement été, ben, je pense, bien acceptés, bien appréciés par tout le monde, autant joueurs que spectateurs. J'ai pas vu beaucoup de retours négatifs en tout cas sur ces modifications. Donc, moi en tout cas, j'ai vachement bien apprécié. Sur dans les nouvelles règles, il y a aussi l'autorisation de pouvoir mettre plusieurs coups de pied d'affilée dans la balle. Ça a donné des instants de jeu assez marrants à voir parfois où il y en a qui doivent avoir des petites bases de foot. On fait ça. Mourad qui a voulu se servir à fond des nouvelles règles dans le match pour la troisième place en Ouais. faisant une relance de footballeur. Et aussi bah, sur des matchs non streamés, mais un match de deux équipes anglaises où il y a eu des gros coups de pied, mais pas J'ai trop vu marrant. aussi, je sais plus quelle équipe, mais essayer de marquer du milieu de terrain dans un coup de pied un peu désespéré pour ne pas perdre le soif en visant les anneaux. Passer évidemment à côté. Bah, très bien. On va parler un petit peu maintenant du niveau de jeu européen. Donc ça faisait donc de longues périodes de pause avec le Covid. Même les championnats nationaux avaient été bloqués pendant toute une grande période, même si en France ils avaient repris, qu'on a pu déjà voir la Coupe de France il y a quelques semaines, etc. Mais donc il y avait eu une grosse pause. Donc est-ce que ça a eu un impact sur le niveau de jeu? Est-ce que vous estimez avoir vu un niveau de jeu européen plus faible à cette EQC qu'à l'EQC 2019? Ou est-ce que ça s'est maintenu, ou est-ce que ils ont rattrapé le retard et que le niveau de jeu a quand même augmenté cette année? Je parle en termes global, hein, évidemment, après ça dépend de chaque pays, chaque club, mais. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu des matchs à un niveau moins élevé parce qu'au final, en tout cas, il y avait beaucoup de matchs qui étaient très serrés et donc qui étaient très intéressants à voir. Nous-mêmes, enfin, les Olympiens, on a fait beaucoup, enfin, pas mal de matchs vraiment avec peu d'écart et du coup, il y avait une belle intensité et on a eu l'occasion d'en voir plusieurs. Donc de ce point de vue-là, enfin, j'avais pas l'impression que du coup il y avait un niveau plus faible. La France a plutôt fait une bonne performance avec des petites progressions, bon sauf pour les Titans, mais sur le reste du classement par rapport aux équipes qui étaient qualifiées. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas si vous avez d'autres.
Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, les joueurs individuellement à ce niveau-là, et je précise bien à ce niveau-là, étaient plus affûtés physiquement presque qu'avant le Covid. Mais je ferai pas ce commentaire-là sur les tournois nationaux, par contre. Mais en tout cas, au niveau des top équipes européennes, on a vu des Anglais qui étaient extrêmement bien préparés physiquement, individuellement. Et ça s'applique pas que aux Anglais, mais c'était particulièrement marquant, je l'ai trouvé, pour les Anglais. Après, collectivement, je saurais pas dire si j'ai vu une réelle différence. Excusez-moi, enfin, 3 ans, comme j'ai dit au début, ça fait 5 ans que je fais du Quidditch, donc j'étais moins en mesure il y a 3 ans de bien lire du jeu d'équipe que je ne le suis maintenant. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines équipes qui jouaient très bien ensemble, notamment les plus expérimentées, celles qui étaient là, celles qui sont là depuis quasiment toujours sur la scène du Quidditch européen. Ok. Ouais, je pense que ça a pas trop changé non plus. On n'a pas vu de gros upsets des pays qui étaient très faibles avant qui sont devenus super forts ou l'inverse. Ça a pas... Ouais. On a quand même une belle montée, quoi. Des frogs qui ont réussi à Oui. faire une belle performance. L'équipe de Barcelone, je sais plus quel était leur classement, mais ils ont quand même gagné pas mal de. Ils ont l'équipe de Barcelone, ils ont gagné la lower bracket, donc ils finissent 17e si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ouais, l'équipe de Barcelone, moi ça a été un peu ma surprise, parce que c'est vrai que même s'ils sont chaque année à l'IFUC, logiquement, parce qu'ils représentent la seule équipe de Catalogne, on les voit quand même rarement performer. Et bon, là, ça restait la lower bracket, mais quand même, arriver à gagner la lower bracket, ça faisait plusieurs années que je les avais pas vus faire ça. Du coup, ouais, peut-être un lien aussi avec le fait que la Catalogne a eu moins de restrictions Covid, donc ils ont eu plus vite repris les entraînements, en tout cas en Espagne. Mais donc, ouais, un niveau français encore quand même assez bon, grâce aux Frogs notamment qui font cette quatrième place, hein. Mais les Titans, absents du titre. Ça s'explique comment? Les Titans ne sont plus invincibles. Je pense que les Titans ont jamais été invincibles. Hein. Ils ont juste Ouais. été toujours Déjà en très bons. 2019, c'était pas si évident que ça pour leur titre. En 2019, ils sont passés de justesse en quart de finale, demi-finale, finale. Ça fait un moment qu'ils ont le réalisme de gagner ces matchs importants en range. Là, ils sont tombés sur une équipe très bien préparée en face, qui était les Werewolves. Pour revenir un peu à ce qu'on disait des niveaux individuels, qu'ont eu deux gros recrutements dans la période Covid, donc Callum Lake et Kerry Aziz, qui sont tous les deux des joueurs-joueuses de l'équipe nationale du Royaume-Uni, hein, donc un poursuiveur et surtout attrapeur et une batteuse qui, je trouve, leur ont fait encore des très bons apports dans leur jeu. Et c'est peut-être ça qui a d'ailleurs fait la différence contre les Titans, qui pourtant ont mis un très très gros jeu de batteur pendant le jeu du Vif d'Or, mais il y a eu une ou deux chances pour l'attrapeur londonien et Et très il l'a très prise. réaliste, et il l'a prise. Aux Titans de revenir prendre leur titre l'an prochain. Ah, ça, c'est clair, on les attendra. Et du coup, pour parler aussi un petit peu des équipes belges, on a Anvers qui avait annoncé arrêter le Quidditch. Hein, le club s'était dissous quand même pendant quelques années. Ils sont revenus pile au retour du confinement pour finalement quand même être présents à l'IQC et faire une cinquième place, perdre contre les Titans en quart de finale. Est-ce que Anvers Titans, c'était quand même un choc qu'on attendait un peu à chaque IQC, on aimait bien voir ce match. Est-ce que c'est pas dommage qu'il soit tombé un peu en quart de finale? Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais est-ce que Anvers aurait pu aussi décrocher le titre? Ça s'est joué sur un rien, hein, cet échec face aux Titans. Un attrapage refusé. Donc ouais, toujours le sport belge et français au top du niveau européen, même si le Royaume-Uni aussi, évidemment, avec les champions en titre et avec l'équipe nationale sont là. Qu'est-ce que ça nous propose, qu'est-ce que ça nous promet pour les European Games cet été? Ah.
Plein de bonnes choses, j'ai envie de dire, même pour EQC et pour les EQC à venir, le fait que, comme tu le dises, Titan vert, égalité au score au moment de l'attrapage, les Werewolves contre les Titans en demi-finale, pareil, égalité au score, même les Werewolves, leur quart de finale, c'est pas joué à grand-chose contre London Quidditch Club, les Frogs battent les Vélociraptors, ils ont des joueurs blessés, donc leur demi-finale est beaucoup plus compliquée. Les Italiens, la nouvelle équipe italienne qui arrive un peu à matcher, ça promeut en tout cas de la compétitivité pour le tournoi qui est bonne. J'imagine c'est bon pour l'attractivité de ce tournoi que ce soit pas toujours la même équipe qui gagne aussi, et pour le niveau, parce que la victoire des Werewolves, ça montre à toutes les équipes que c'est possible, comme l'avait fait celle d'Anvers en 2017. Et par ailleurs, elle force aussi les Titans à revenir encore plus fort l'an prochain. Et donc pour le niveau global, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour les European Games, j'attends des Anglais très 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 forts parce qu'ils ont quand même trois équipes dans le top 8 qui sont très solides. Je pense que tout le monde attend les Français avec deux équipes dans les demi-finalistes aussi. Les Belges, c'est les finalistes de la dernière compétition. Et puis, il va falloir voir ce qu'apporte à ce tournoi l'Australie qui est une très très bonne équipe au niveau mondial, qui n'a été battue que par les États-Unis à la dernière Coupe du Monde. Voir quelle équipe ils envoient, est-ce qu'ils envoient une équipe, leur équipe la plus compétitive ou pas, et voir comment elle va venir s'intégrer. Il faut voir aussi que les Allemands ont fait beaucoup de bons matchs en équipe. Quand on y est allé en matchs amicaux à l'automne dernier, ils ont gagné la plupart des matchs contre la France. C'est une équipe qui sont très bien organisées, ils savent très bien jouer en équipe. Donc c'est ce que ça prépare pour les European Games, je dirais, c'est beaucoup d'incertitudes. Et dans tout ça, tu n'as pas parlé de la Turquie. Alors c'est vrai que ça a été un peu la grande absente de cette European Quidditch Cup, puisqu'elle n'a pu déjà envoyer qu'une seule équipe au lieu des trois slots qu'elle avait, et en plus une équipe complètement diminuée. Donc les Unicorns, qui sont habitués du haut de classement, qui étaient la deuxième en 2019, finissent 15e ou 16e. Ce qui est quand même une grosse déception, mais est-ce que on va pouvoir revoir une équipe de Turquie aux European Games? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Turquie va quand même pouvoir revenir à un niveau de jeu ou est-ce que ça va être pareil aux EG? Ça va être un peu de nouveau une incertitude en plus, quoi. Parce qu'ils pourraient aussi se mêler au titre. On espère que la Turquie va revenir en force. Enfin, moi, j'espère pour eux qu'en tout cas, ils vont pouvoir revenir en force aux EGs et puis même au prochain EQC. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir que, du coup, par rapport aux 5 places qui leur étaient attribuées, ils ont pu seulement venir à une équipe. C'est malheureux. Mais après, j'ai pas eu trop l'occasion de les voir jouer, enfin, nous-mêmes étant pris par nos matchs, on n'a pas pu trop voir ce que ça donnait, mais je pense qu'ils vont quand même amener une équipe assez forte, à mon avis, aux EGs, parce que on l'avait vu déjà à EQC, ils ont des très très bons éléments. Ils avaient réussi à faire peur aux Titans, et pas seulement en finale, mais même avant ça, dans les matchs de poule à l'EQC en 2019. D'ailleurs, je jouais pour les Titans à ce moment-là, donc je m'en rappelle très bien. J'espère en tout cas qu'ils arriveront à venir assez nombreux et nombreuses, et que ils pourront venir encore plus nombreux, nombreuses au prochain EQC. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup de pays qui pourraient viser le titre aux EG. Ça va être très intéressant à suivre. Ce sera sur les mêmes terrains, ce sera à Limerick également, en Irlande, cet été, donc les 23 et 24 juillet. Voilà, donc à suivre évidemment. Alors, tout à l'heure, tu disais aussi que les dodos avaient arrêté. Je trouve que cette EQC prouve qu'ils ont quand même bien fait de revenir, vu qu'ils arrivent quand même à revenir et voilà, à
presque gratter la place contre les Titans. Je ne peux qu'être Donc, d'accord avec ça. Quel plaisir de les voir jouer. En plus, je trouve que oui, même merci. niveau beauté du jeu, le match Titan-Anvers, c'était un des plus beaux que j'ai vu, en tout cas moi, sur le live stream. Avec des jeux de passe, des jeux de construction, beaucoup. Enfin, évidemment, un peu de jeu physique aussi, hein, mais beaucoup d'intérêt dans le sport. Je trouve que c'est un match très intéressant à suivre et pour toute personne qui aspire à jouer au Quidditch et à s'améliorer, il y a beaucoup de choses de bon à prendre dans ce match. Et de mauvais aussi à voir, à ne pas faire. Une carte rouge dans les 30 premières secondes de jeu, par exemple. Ouais, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne venait en grand nombre avec 8 équipes présentes pendant le week-end. Et ils ont fait des bonnes choses. Notamment les Münchner Wolpertinger et Bonn, Augsburg aussi, qui a fait des mauvais matchs. Mais enfin, on n'attendait pas plus un petit peu d'Allemagne qui avait dominé la Division 2 en 2019, qui avait gagné autant de spots pour cette année. Est-ce que faire des si mauvais résultats, enfin, très fort dans la moyenne, c'est pas un peu décevant de ces équipes d'Allemagne? Pour moi, il y a deux choses différentes. Déjà, comme la France, l'Allemagne, c'est une équipe qui avait qualifié ses équipes en 2019, je crois fin 2019 pour l'EQC 2020, et qui a gardé ses équipes qualifiées de l'époque, comme la France a fait le même choix. Et les équipes ont évolué depuis. Et un peu comme en France, il y a eu des évolutions de niveau, et donc il y a eu notamment, enfin pour l'Allemagne, Passau qui était un peu plus au même niveau qu'il n'était avant le Covid, qui ont perdu des joueurs, qui ont quand même fait une belle compète, des beaux matchs, bon, qui finissent 31e, mais voilà, c'est pas la même chose. Ensuite, et inversement, la semaine d'avant cette compétition, ils avaient un tournoi national où les Broomicorns finissent deuxième de ce tournoi, et eux ne sont pas à EQC parce qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de joueurs. Et par ailleurs, l'Allemagne, elle n'est pas dans la même dynamique que la France ou la Belgique, et dans une certaine mesure l'Angleterre, où l'équipe nationale, en tout cas les joueurs de l'équipe nationale, sont concentrés essentiellement sur une ou deux équipes. Et là, au contraire, c'est plutôt très très diffus, avec des équipes plus à un niveau plus homogène en interne, ce qui fait en effet que c'est difficile pour eux de performer, d'aller assez loin. Munich a eu la chance, comme toute équipe qui joue les Titans en premier match d'EQC, d'avoir des Titans qui ont toujours un peu de mal à se mettre dans leur compétition et qui sont pas passés loin de perdre. Ça avait été à GTP en 2019, c'est un peu un cas récurrent. Mais oui, il y a eu des très belles performances. Bonn est pas passé très loin d'être demi-finaliste non plus. Peut-être que c'est ça une attente pour un futur EQC, d'avoir une équipe allemande qui arrive à passer le cap des quarts de finale et éventuellement aller chercher une médaille. Bonn qui avait perdu donc son quart de finale contre DeNA, donc le nouveau club italien, petit nouveau venu qui est donc un mix de deux anciennes équipes, les Grintoros et Modène, c'est ça à peu près, bon, si je dis pas de bêtises. Pas un peu de Virtute Je crois que Romana voilà, aussi. je crois qu'il y a aussi, je crois qu'il y a quelques joueurs de l'ancien club champion qui était la Virtute Romana, si je dis pas d'erreur, hein, et qui lui est mis en pause. Donc, pareillement, une nouvelle fois, une grosse condensation des meilleurs joueurs. C'est un peu l'équivalent des Velociraptors à l'époque, qui quand ils se sont créés, c'était un peu le premier club mercenaire qui n'était pas lié à une ville et qui prenait un peu des anciens joueurs de beaucoup d'équipes. C'est un peu ce même équivalent, mais pour l'Italie, quoi. C'est l'idée, c'est la première fois que les Italiens, je pense, arrivent à aller aussi haut dans un tournoi. C'est pas, après, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était pas. On sentait pas de jeu comme ont pu montrer Anvers, les Titans et les Werewolves.
d'expérience et que ça reposait beaucoup sur l'impact physique et l'agressivité batteur et l'impact physique. Donc c'était un peu. Voilà, on sentait une équipe plus jeune en tout cas à ce niveau-là. Et ils ont eu aussi, il faut le dire, une moitié de tableau beaucoup plus facile que l'autre. Ça, c'est toujours le côté hasard du tableau, évidemment, ça joue beaucoup. Hein, c'est pas ce que ça aurait pu donner sans ça. Ils ont fait tout le week-end à vraiment pas beaucoup sans jamais se baisser, donc ils doivent avoir cardio. Oui, c'est Un ça peu aussi. secoué. Mais il y a plusieurs équipes qui m'ont choqué à ce niveau-là quand on voyait le nombre de subs. Il y avait plusieurs équipes qui avaient 2-3 subs max sur le match et qui gardaient vraiment une même intensité pendant tout un match. Ça devait être dur pour eux pour le tournoi. Quand on voit ben justement les Titans, Anvers, les Olympiens, ont quand même plus une base de joueurs avec plus de subs. Ouais, les frogs étaient peu et ça, je pense, Ça leur a coûté ça un leur a peu. coûté arriver à la demi-finale, surtout avec des joueurs un peu clés comme Lenin Valentin qui était un peu fatigué, voire même un peu Blessé. blessé. Et ouais, ça Amel leur a. aussi, ouais. Ça aurait pas, sans doute pas été la même issue si il y avait eu bah, justement des blessures du côté de DNA parce que bah, en effet ils étaient très très peu donc bon. Tant mieux pour eux. Ouais, c'est ça, Ah, c'est tant sûr. mieux pour eux, c'est sûr. Et du coup, vous, s'il y avait un match qui vous a vraiment marqué en tant que joueur, hein, le match en tant qu'Olympien pendant ce week-end, quel match vous avez préféré jouer, quelle équipe vous avez préféré affronter, où vous avez le plus appris? On n'aura peut-être pas les mêmes, je sais pas. Sacha, si tu veux commenter. Moi j'ai bien aimé, après c'est là où j'ai pas mal joué, je pense que c'est notre dernier match contre Saguenay, où Super mal pu donner de mon mieux quoi. Saguenay c'est une équipe norvégienne, donc c'est le match qui nous fait finir à la 23e place. Après c'était aussi intéressant je pense de jouer les Werewolves, bon c'était notre premier match donc c'était un peu dur. Mais ouais. On a eu des petits soucis de vol annulé, donc En plus ouais. les Ouais, voilà, problèmes. si on avait eu Denis, on aurait roulé sur les Werewolves, je suis sûr. Aucun doute là-dessus. Ce serait pas les Werewolves parce qu'ils étaient tellement au-dessus que bon, c'est impressionnant et c'est beau de voir tel niveau, mais on n'apprend peut-être pas. Enfin, ouais. C'était particulier. En tout cas, c'était un match quand même très intéressant pour nous. Et puis, on n'avait pas la... on savait qu'on ne pourrait pas les battre. Je pense que le match contre Malaga était quand même bah, voilà, celui qui nous permettait potentiellement d'accéder au tableau du haut. Donc, c'était un match très, voilà, très intense, très intéressant aussi bah, par rapport au niveau en face. Voilà, un peu dur sur la défaite, mais c'est aussi là-dedans qu'on apprend. Donc, je dirais que c'est ce match-là que je retiens aussi. Ok. Le match que j'ai préféré, Malaga, probablement, même si il aurait pu être mieux, même si je fais aussi une erreur qui nous coûte un peu cher sur la fin de match. Sinon, le match, je pense que je retiens et où on a le plus à apprendre, probablement, c'est Liège, je trouve qu'on fait pas un très bon match. On n'arrive pas à s'adapter face à un jeu en face très physique en défense, mais qui est à notre portée. Bon, on finit quand même par le gagner en range, hein, ce match, mais je pense qu'on. J'aurais bien aimé qu'il soit filmé parce que je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs sur ce match-là, qui arrivent bien à en profiter quand on est en attaque et qu'ils sont en défense. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'il soit filmé parce qu'on aurait pu bien progresser sur ce match-là, je pense. Ok, bah, très bien. On a déjà parlé de beaucoup de choses. On va parler du coup d'une phase que vous avez pu regarder,
qui est justement en train d'être diffusée sur ce live, mais c'est magnifique le timing. Donc on est toujours dans le match Anvers Titan, et donc c'est l'attrapage du vif par Anvers qui a été refusé par les arbitres pour un jeu sur le troisième cognard par les batteurs qui avait lieu 1 minute avant. C'est un moment décisif dans le match, puisqu'évidemment, c'est ce choix qui fait que derrière les Titans vont remporter le match, alors que si le catch avait été validé, c'était Anvers qui poursuivait la compétition. Donc vous avez pu le regarder avant le début de ce live. Est-ce qu'il y a un avis à donner sur cette décision arbitrale? Je vais pas mettre de pression sur. J'ai pas envie par mes propos de mettre de pression sur les arbitres, en particulier ceux qui commencent. Du coup, je pense qu'il faut que les arbitres aient confiance en leurs décisions. Et en effet, c'est sur le call en soi, il y a eu une faute des bat. Oui, on peut considérer que si on peut. Je vais pas revenir sur est-ce qu'il y avait ou pas interaction de troisième cognard. Sur le fait, 1 minute avant, il faut que l'arbitre assistant se fasse confiance, même si c'est un match tendu, fasse plus confiance peut-être, même si c'est un match tendu, même si c'est un match qui se joue au vif d'or et qu'il l'appelle immédiatement parce que ça a toute son importance. Après, 1 minute après, ça peut être frustrant. Est-ce que moi je l'aurais sifflé au vu des images? Non. Je trouve que le tir du batteur belge vise suffisamment un joueur, j'appelle ça raisonnable. Est-ce que je trouve que c'est un scandale que la faute ait été sifflée? Non plus, c'est tout à fait entendable que je peux aussi comprendre qu'un arbitre ait considéré ça pas raisonnable. Donc voilà. Ok, et globalement, l'arbitrage durant ce tournoi, est-ce qu'il y a eu suffisamment de volontaires? Est-ce qu'on n'a pas eu. Voilà, moi, notamment au niveau des vifs d'or, hein, j'ai pas pu voir beaucoup de matchs, mais j'ai eu l'impression de revoir beaucoup les mêmes qui devaient être assez fatigués en fin de compétition. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un gros problème de volontaires pour animer ces tournois d'importance? Bah moi je enfin, quand t'as commencé à poser la question, j'ai pensé au vif d'or en premier parce que bah, c'est vrai que du coup chaque équipe avait des quotas à respecter et donc l'équipe d'or ça en faisait partie et c'est toujours difficile pour les personnes qui sont joueuses bah, d'être impliquées vif d'or encore plus que sur les autres postes d'arbitrage parce que c'est très très Ouais. physique et très. On peut même se blesser enfin, en étant vif d'or, alors qu'il y a moins de risques quand on est aide ref ou arbitre assistant, je pense. On a eu, bah, pour donner un exemple, sur notre premier jour, il y avait trois créneaux de vif d'or que notre équipe devait assurer. Donc il y a deux personnes qui s'étaient réparties entre deux personnes, mais ça fait quand même assez lourd et surtout bah, sur des rosters qui sont moins fournis. Je crois que c'est l'équipe turque qui n'avait pas respecté les quotas d'arbitrage et devait commencer avec un carton jaune par exemple. Donc quand on sait les difficultés qu'ils ont eues, c'est pas facile. Enfin, je pense que du coup, ouais, ça nous montre aussi qu'il y a quand même un manque de volonté. Et par exemple, le Vip d'Or qui a fait la finale et qui a fait plein d'autres matchs, Martine. Je pense que lui, il a vraiment pas chômé du week-end, du coup, vu qu'il était là que pour faire vif d'or. Donc c'est super d'avoir des personnes comme ça qui sont impliquées, mais ce serait bien de m'en avoir peut-être un peu plus, quoi. Il y a Louis Lhermitte qui, sur un post Facebook, a dit que c'est très bien que Bonne aille loin dans le tableau, mais que c'est pas bien parce que du coup, Vincent Frôlet, je peux pas faire vif d'or dans les derniers matchs du tournoi, vu qu'il Voilà. Ouais, donc ça résume bien. Ouais, c'est. Ben, y a Panta qui dit dans les commentaires, du coup, si vous voulez vous lancer dans le Quidditch sans spécialement faire partie d'une équipe, devenez vif d'or. Et on aura besoin de vous dans toutes les compétitions, donc n'hésitez pas. Vous ferez du sport beaucoup aussi. Ouais, ce sera fatigant aussi. C'est vachement physique comme rôle, putain. Pas de remplacement en plus pour le coup. Plus Ouais. généralement sur l'arbitrage, je pense qu'on a un bon niveau pour un moment. On a une dizaine, quinzaine de très très bons arbitres principaux en Europe maintenant. Le souci n'est pas là. En revanche, arbitre assistant, c'est une position qui est difficile.
qui n'est pas évidente à arbitrer. Il en faut beaucoup plus que des arbitres principaux. Et c'était peut-être un peu moins haut niveau, j'ai trouvé. On avait des terrains synthétiques qui favorisaient que les balles roulent. On avait des cognards extrêmement rebondissants qui pouvaient donc partir très loin des terrains. Ouais. Donc un assistant un peu pas attentif pour l'empêcher de partir trop loin et il manquait un batteur pendant 20 secondes, au moins. Donc c'était un peu à cet égard-là, et de manière générale sur les décisions des arbitres assistants, c'était peut-être un peu moins fluide que les arbitres principaux. Après, j'ai trouvé que les arbitres ont été très bien encadrés, que ce soit par l'organisation. Il y a eu un fameux briefing arbitrage qui a pris un peu longtemps. Le samedi soir, et que de toute façon beaucoup d'équipes ont manqué parce qu'elles étaient encore dans les bus bloqués quelque part entre Dublin et Limerick. De formation en tout cas, on était aussi bien accompagnés, j'ai trouvé, par les différents arbitres principaux, qui étaient généralement des gens avec pas mal d'expérience, en tout cas, si pas à IQC, au moins à leur niveau national. Voilà. Et sur les arbitres assistants, entraînez-vous à le faire et ayez confiance en vos décisions. Hein. Je prends ma casquette fédé arbitrage, et il nous en faut des bons. Et il faut pas croire que c'est trop statique, arbitre assistant, parce Ah que il ouais, y en a ça arbitres faut qui ont bouger. couru pour les cognards, les fameux cognards qui partaient à 30 mètres du terrain, et ceux-là on les remerciait vraiment beaucoup en tant que batteuse. C'était vraiment bien d'avoir cet engagement-là, parce que 30 mètres de sprint en plus, ça change pas mal sur Ouais, la tête. clairement, c'est hyper important. Rien à voir, sans transition aucune, mais je veux revenir sur deux images qui m'ont personnellement vachement plu dans ce tournoi. C'est les frogs et les titans qui fêtent leur victoire mutuelle avec les uns et les autres. Les frogs qui courent sur le terrain pour fêter avec les titans qui courent sur le terrain pour fêter avec les frogs. Pour moi, c'est pas des choses qu'on a vues tout le temps dans l'histoire du sport. C'est des images qui font plaisir à voir. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle communauté française de Quidditch qui est encore plus soudée sur le terrain européen? J'espère. J'espère. Après, on a eu une finale de Coupe de France, bien entendu, un mois avant. Donc, j'espère que c'est juste le temps du match et que ça retombe après. J'espère aussi, dans l'intérêt de. Mais il y a l'équipe nationale qui arrive à côté. C'est un groupe aussi à un moment. Et en effet, c'est plus facile à IQC quand on est pas ou peu les uns contre les autres et plus les uns avec les autres. Moi, je vais mentionner même un moment qui m'a beaucoup plu. On a eu le droit, nous, de jouer un énième Toulouse Olympien, où du coup, on s'est échauffé ensemble, on a préparé, avant le match, on a préparé le truc ensemble et on a joué dans un super bon esprit ce match-là. Et oui, en tout cas, j'espère que c'est bon signe sur les rapports entre les équipes, parce que c'est ce genre de moment qu'on veut voir dans le sport. Et de manière générale, j'ai trouvé beaucoup d'équipes et de joueurs et joueuses très bon esprit dans ce tournoi, et des matchs très sympas. Et notamment, et je le mentionne, les Werewolves qui ont été très très respectueux, y compris après nous avoir passé 200 points d'écart. Ouais, très sympa les Werewolves. Ils ont même réussi à faire des compliments. Ouais. Non, mais c'est cool. Bah, honnêtement, moi j'ai Non, été ravi de voir ces images aussi. Hein. Rikansu, on parle aussi dans les commentaires, les équipes qui ont fait des échauffements en commun avant les matchs. Parce que oui, les Olympiens et Toulouse n'ont pas été les seuls. Plusieurs équipes ont fait ça. Et même sans être du même pays, c'est vrai que c'est chouette d'avoir un sport européen. Mais bon. Qui prône évidemment une inclusivité, qui prône une belle image à ce niveau-là, mais qui le montre aussi sur les terrains et lors des compétitions. Autant il y a de la tension pendant les matchs, mais en dehors, il y a quand même une super ambiance et c'est quand même très important pour le bien du sport. Voilà, on a déjà parlé beaucoup de choses. Si vous avez des choses encore à dire sur les QC, n'hésitez pas, hein, à intervenir. Sinon, pour vous, quels sont les prochains.
parler d'une deuxième image qui t'avait marqué, peut-être, Ah non? oui, tiens. Moi? Non, je parlais. C'était Oui. les deux mêmes. C'était simplement Non, après un match Frog, on a vu les Titans. Et après un match Titan, on a vu non. les Frogs. Non, du coup, ouais, pour vous, quels sont les prochains rendez-vous, grands rendez-vous? Les entraînements continuent, évidemment, je suppose, pendant le mois de juin. Il va y Mais... avoir beaucoup d'entraînements de l'équipe de France, en tout cas fin, du coup, à Paris du coup, dans les semaines qui viennent. Donc ce qui concerne notre club, je pense que les entraînements vont peut-être être un peu moins réguliers, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes du club qui sont dans la sélection. Après, je pense que sur les autres équipes françaises, il y a des chances que ça continue. En plus, il y a pas mal de sollicitations généralement à l'approche de l'été sur des événements en juin, juillet. Donc c'est aussi toujours des bonnes occasions de, ben, voilà, de, même si c'est pas un entraînement, de quand même participer à une animation, une initiation Covid. À Paris, j'en profite d'ailleurs pour le dire, du coup, on est sollicité, la Fédé est sollicitée sur un open de sabre laser le deuxième week-end de juillet, donc pour tenir un stand et proposer des animations aussi. Donc c'est intéressant de créer des ponts avec ce sport qui vient aussi de la fiction, et mais qui est vraiment un peu dans la même mentalité que le Quidditch. Et donc on aura aussi un stand à la Japan Expo à Paris, qui est du 14 au 18 14 et juillet. 17 juillet. Donc En voilà. termes sportifs, on a le week-end des 2 et 3 juillet, la conclusion du championnat, qui va notamment déterminer, même si on commence à peu avoir une idée de qui ce sera, les 4 équipes qui iront représenter la France au prochain EQC. L'AD en tout cas, oui. Voilà, il y a cette journée qui aura lieu à Sucy-en-Brie, donc en région parisienne, le 2 et 3 juillet. Et s'il y a des Belges qui veulent venir arbitrer, c'est toujours avec un plaisir qu'on On les les accueille. accueille. Et évidemment, en termes sportifs, au niveau les European Games, leur préparation, les camps équipe de France et la tenue de la compétition, le retour à Limerick. Sur des terrains de grande qualité en tout cas. Aussi pour pareil revenir sur EQC, c'était des bons terrains qui ont tenu tout le week-end forcément vu que c'était des synthétiques et qui je sais pas si c'est lié ou quoi que ce soit mais j'ai pas eu l'impression de voir trop de grosses blessures. Ce qui est des bonnes nouvelles. Eh ben parfait. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez convaincre des gens de rejoindre les clubs de Quidditch en France, voilà, pour la communauté Gazette qui est en train de regarder ce live, comment les convaincre de commencer à jouer au Quidditch pendant les éliminations de juin ou commencer la saison prochaine? Moi, je sais que un truc où je me suis dit peut-être que ça va être bien parce que c'est des gens qui vont moins se prendre la tête que dans d'autres sports et enfin qui est compétitif et tout. Et en fait, j'ai plutôt confirmé ça à mes premiers entraînements, c'est-à-dire qu'à la fois les gens peuvent être très compétitifs, mais ils peuvent être aussi très bienveillants quand même et très positifs sur comment t'améliorer, être très pédagogue et tout ça. Donc, si vous êtes traumatisé de l'EPS comme moi, franchement, le Quidditch, c'est un bon moyen d'aimer le sport. Nouveau. Bah, je rajouterais à ce que dit Sacha que bah, déjà pas que en France mais aussi en Belgique, s'il y a des gens qui sont en Belgique qui nous regardent, hein, mais bah, qu'il faut tester, faut pas partir avec trop d'a priori. La plupart d'entre nous on y va un peu pour le fun, en se disant bah voilà c'est rigolo, j'en ai fait une fois, et en fait on se prend au jeu et on est attiré fin, par l'aspect voilà collectif, mixte. Chacun y retrouve, je pense, l'aspect qui lui plaît le plus. Et bah, ouais, je trouve que c'est aussi un bon moyen d'évoluer aussi. Comme disait Hugo tout à l'heure, c'est assez riche. Quand on en a marre de faire un truc, on peut essayer de faire autre chose. Et c'est pas un truc qu'on retrouve
dans tous les sports. Donc, ouais, non, faut y aller, faut tester. Le mieux c'est d'essayer, donc contacter votre club de Quidditch local, aller faire un entraînement pour essayer. Et pour ceux dans l'Est, alors j'espère que je vais pas me tromper sur la date, le 12 et 13 août, il y a un tournoi 14 et 15, je 14, crois. 14 et 15 août, bon voilà, autour de ces dates-là, je vais dire 13-14 août pour faire une grande. Et ben voilà, Ah, plus ou le moins. 13-14 août, il y a un tournoi à Golbey, juste à côté d'Épinal, la Mirabelle Cup, qui est très bien organisée, très bonne ambiance. Ouvert à tout le monde et qui peut être une très bonne occasion d'essayer un nouveau sport sans se prendre la tête et de rencontrer tout le monde. Et ben voilà, tout est dit. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans le Quidditch. C'est un sport super où il y a plein de choses qui se passent. Et même si vous ne devenez pas joueur de club, comme on l'a dit, vous pouvez aussi aider la fédération à se développer en devenant vif d'or, en devenant arbitre, en aidant simplement à tenir les scores lors des tournois. C'est toujours des aides qui sont les bienvenues aussi. Et en allant voir un peu les tournois partout en France, vous allez rencontrer des belles personnes et voir du beau jeu. Mais en tout cas, merci de m'avoir accordé cette heure de votre temps. Merci à toi. Merci à toi pour Pas les de soucis, questions. merci à toi, ouais. C'était très cool. Encore bravo pour votre EQC, même si vous n'avez pas atteint le top 16, vous avez quand même fait une super performance, vous avez bien joué et c'est le plus important. Et puis, bon courage pour les prochains rendez-vous qui s'offrent à vous pour vos matchs de ligue début juillet et pour tout le reste. Peut-être qu'on se retrouvera pour parler de l'équipe de France après les Open Games. Pourquoi pas? Avec Ouais. plaisir. Et ben voilà, en tout cas, merci aussi à vous tous de nous avoir suivis pendant cette petite heure de live. Comme j'ai dit, ce live cette semaine est un peu plus court que d'habitude parce que j'ai des obligations juste après. Mais on se retrouve la semaine prochaine dès 19h30 pour un nouveau live. Je ne connais pas encore le sujet, mais vous le découvrirez bien vite en suivant les réseaux sociaux de la Gazette. On remercie la Fédération Française de Quidditch. Et ben voilà, allez tous jouer au Quidditch. Salut à tous! Salut. Au revoir, salut, bonne soirée.